Oui, bonjour. Nous sommes avec Monsieur Fadl Hafid, au salon du tourisme à Montréal, même dans le local du magazine Tourisme Plus. Bon, voilà, Monsieur Hafid n'a pas besoin vraiment de beaucoup de présentations. Monsieur Hafid, c'est un ancien d'ailleurs de Royal Maroc, c'est un professionnel. D'abord, la première question que j'aimerais. Bienvenue, Monsieur Hafid. Merci, bonjour. Alors, juste savoir vraiment, ça fait longtemps que vous étiez ici, maintenant vous revenez dans l'espace du tourisme du Maghreb. Quel est l'état actuel? Qu'est-ce que vous pensez vraiment? C'est quoi votre. Bonjour, si vous permettez, je veux peut-être expliquer pourquoi je reviens. J'ai été directeur de Royal Maroc en 79 jusqu'à 83. Et puis, je suis allé m'installer au Maroc, en Espagne, etc. Et donc, je reviens parce que j'ai trouvé, que, justement, et ça répond en même temps à votre question, j'ai trouvé qu'il y a une régression inquiétante dans la marche du tourisme vers le Maghreb et spécialement sur le Maroc. Bon, la Tunisie, ça. C'est très très bien, je suis très content, je les félicite. Ils sont passés de 3 000 en 1980 à 20 000-25 000 actuellement, dans 10 ans, 15 000 voyages avec Royal Maroc. Sur le Maroc, par contre, c'est inquiétant parce qu'il y avait en 80 15 000, il y avait même un vol non-stop sur Agadir, Montréal-Agadir. Et il y a une régression inquiétante parce que nous sommes à peine à 3 000. Sur l'Algérie, je suis content que Air Algérie ait ouvert et qu'il commence à faire des vols. Et donc, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'espoir. Donc, je les encourage à aller de l'avant. Voilà la situation en gros sur le Maghreb. Il y a une régression inquiétante sur le Maroc. Il y a une progression encourageante sur la Tunisie. Et il y a un nouvel espoir sur l'Algérie. Donc, mais quel est l'état actuel? C'est-à-dire, parce que la dernière fois, j'ai entendu comme quoi il y avait à un certain moment 15 000 touristes. Maintenant, c'est rendu à 3 000. Est-ce que c'est quoi les causes exactement? Les causes, c'est parce qu'il n'y a pas, il y a peut-être de la part des autorités marocaines. Un manque d'intérêt que au Québec, d'une manière particulière, mais en général sur l'Amérique du Nord, il y a un manque d'intérêt. Donc, ce n'est plus une priorité du Maroc, disons des autorités, des autorités de tutelle et de l'Office du tourisme en particulier, sur le Maroc, alors qu'ils auraient pu au moins maintenir l'acquis. Donc, nous avons perdu l'acquis. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de promotion, il n'y a plus rien du tout. C'est ça le problème, c'est que nous, les professionnels, on se pose la question pourquoi est-ce que l'Office du tourisme a décidé de reléguer le Québec comme partie négligeable? Alors que le Québec, les efforts ont été faits pendant des années et des années, qu'il y avait un boom, que les gens adorent le Maroc. Et puis, subitement, il y a une décision qui a été prise. Royal Maroc, par contre, a mis des vols. On avait un handicap en 80 parce que les vols passaient par New York et que c'était très pénible à vendre à Agadir. Pour aller à Agadir de Montréal, ça prenait 13 heures. Maintenant, Royal Maroc, par la force des choses également, ils ont mis 6 vols, 7 vols. L'été, il y a même 12 vols. Maintenant, il faut savoir qu'il faut demander à Royal Maroc aussi de mettre des sièges à la disposition du tourisme, en parlant du tourisme, puisqu'on parle maintenant que du tourisme. Après, si vous voulez, on parlera de l'ethnique. Donc, il faut qu'on donne quand même un quota, un allotement aux grossistes en voyage, aux agences de voyage, pour pouvoir vendre le tourisme. Et maintenant, Maroc Voyage, qu'est-ce qu'elle va offrir comme service soit à la communauté ou au tourisme? C'est-à-dire, si on peut faire résumer ça dans un. D'accord. Maroc Voyage, d'ailleurs, a été créé il y a un an à peu près, dans un premier temps comme grossiste en voyage, pour vendre le Maroc, pour promouvoir le Maroc.
C'est un hobby pour moi parce que justement en me posant les questions que vous vous posez, je me suis dit tiens, est-ce que je ne peux pas contribuer personnellement à reprendre tout cela, à mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et j'ai créé Margot Voyage. Et puis je me suis rendu compte depuis un certain temps, depuis un an et demi, des problèmes dans lesquels se débattent nos concitoyens ethniques. C'est-à-dire le marché de l'ethnique, aussi bien marocain, tunisien qu'algérien, quels étaient les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et donc j'ai décidé d'ouvrir une section de détaillants pour pouvoir avoir accès directement à la communauté qui m'est chère, maghrébine et arabe en général aussi. Et donc nous allons venir ici pour essayer d'équilibrer un peu le marché parce que j'ai vu qu'il y avait un déséquilibre. Il y a beaucoup de questions que se posent nos concitoyens maghrébins en général. Et donc, disons que c'est un contrepoids qui va rentrer sur le marché. C'est comme ça que je vois Maroc Voyage, c'est-à-dire que je le vois comme contrepoids au profit de la communauté. J'ai entendu que vous allez offrir aussi des choses pour le Hajj et l'Amra. Est-ce que vous pouvez juste donner un peu? Oui, j'ai déjà fait une commande parce que j'ai vu que les problèmes que rencontre notre communauté pour le Hajj et l'Umra était immense. En particulier, il y a le moyen de transport aérien. Et il y a surtout l'assistance et les produits sur place. Nous, au Maroc, bon, comme vous le savez, j'ai un réceptif au Maroc qui m'appartient également et qui est spécialisé. Il a une partie qui est spécialisée sur le Hajj et l'Umra. Et donc, nous sommes très, très bien introduits sur place. Moi-même, à Royal Maroc, j'étais directeur de l'opération Hajj Omra en ayant habité en Arabie Saoudite en 73 pendant 2 ans. Donc, j'étais directeur de l'opération pèlerinage pour le Maroc. Et donc, je connais très, très bien. On a beaucoup de contacts. Et nous allons essayer de mettre de l'ordre et de donner de bons produits pas chers. Et j'ai déjà commandé à Royal Maroc un 747. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que le Maroc va répondre positivement. J'ai déjà, pour le Hajj de l'année prochaine, j'ai déjà commandé un 747 qui va partir sur la Mecque et qui va peut-être revenir avec une possibilité de s'arrêter au Maroc. Donc, merci beaucoup, M. Al-Hafed. Et on va revenir plutôt pour parler de d'autres projets de M. Al-Hafed. Alors, ça serait en deuxième partie. On parlera des projets de M. Al-Hafed. Merci beaucoup.